Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro Miroir. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste qui a beaucoup suscité l'amour et la passion dans son public. On va le voir dans quelques instants. Bonjour Herbert Léonard. Bonjour tout le monde. Alors, je vais rappeler quand même le principe de l'émission, même si vous la connaissez déjà. Nous sommes allés dans Paris avec un assistant. On a montré une photo de vous des années 80. Le jeu, c'est qu'il doit vous reconnaître dans un premier temps. Alors ça a été quand même assez facile, vous allez voir, c'est très drôle. Là, on est tombé sur des gens, alors faut le préciser, on est tombé sur des gens très très drôles sur cette session de micro-trottoir. La deuxième partie, ce sont des questions. Alors, ils vous posent des questions sur un petit peu tout, profondes, légères, vous allez voir ça. Et puis en dernière partie, pour ceux qui n'avaient pas de questions à vous poser, eh bien, ils vous font un petit témoignage, un message d'amour ou d'amitié, selon leur humeur. Ok, eh ben écoutez, on y va quand vous voulez. Voici Herbert Léonard qui va affronter sa tablette fatale. Bonjour Jolhomme. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, ça va, dimanche, brunch au calme. Voici la photo d'un artiste vintage forever. Vintage, oui. J'aime mieux vintage que ringard. Il a sûrement un très beau prénom. Je sais que je connais cette tête. C'est qui? Je sais pas. Qui est-ce donc? Il aurait pu ressembler à Marc Lavoine à la base. Ah. Ouais. J'ai dû le voir au Resto du Cœur ou chez Arthur, un truc comme ça, hein, mais... Marc Lavoine. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Pas Marc Lavoine, on l'a eu plusieurs fois. Étonnant. Quoi, mais comment il s'appelle? Brel. Jacques Brel. Jacques Brel. Pas exagéré quand même. Bah, il y a Renaud. Renaud, toujours vivant. Oui, toujours vivant. Herbert Léonard. Bravo, bravo. Ouais. Et c'est un homme qui me reconnaît. David Bowie qui s'est fait refaire quelque chose. Il est français, c'est pas David Bowie, mais c'est sympa ça. Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, ouais. Non. C'est pas celui qui chante le Jer ou un truc comme ça, c'est Thierry Hazard. Thierry Hazard. Ah, c'est William Scheller. Oh mon dieu, mon dieu. J'aurais essayé. On peut pas appeler un ami. Il ressemble, il a des airs d'Yves Montand, c'est pas Yves Montand. Alain? Alain Delon? Non, pas du tout. En jeune, je sais pas, il est hyper jeune là. Delon, j'aurais bien aimé. Ah, peut-être bien, peut-être bien, peut-être bien. Étienne Dao. Étienne Dao, c'est pas lui. Non, c'est pas Étienne Dao ça. Patrick Bruel, je sais pas les brins. Il ressemble à Patrick Bruel, mais c'est pas Patrick Bruel. Non, c'est pas lui. Herbert Léonard. Voilà. Frédéric François. Ah non, pas lui. Regardez sur le portable, ça c'est pas bien là. Hervé Villard. Hervé Villard? Non. Herbert Léonard. Ah ouais, non mais Hervé Villard, ouais, non. Mais si, il est spécialisé en avion, lui, dans les avions. Ça c'est vrai, un français. Oui, Herbert Léonard. Voilà, il y a des gagnants, hein, il y a des gagnants. Les seuls c'est HL, pas facile. L'Alvador. N'importe quoi. Henri Salvador. Alors il est de Strasbourg, donc il a un nom un peu, vous voyez, un peu allemand. Heinrich Nuttenberg. Hansel, comment Hansel écrit ça? C'est étonnant. Herbert. Oui. Ah, c'est Herbert Léonard. J'adore. Herbert. Herbert, oui. Les initiales sont difficiles, c'est HL. Herbert Léonard. Vous voyez? Herbert Léonard. Ah, sur la fin quand même, hein. Pour le plaisir, prendre le temps en temps. Ça c'est une chanson qui a vraiment rentré dans les mœurs. Et s'éblouir. Vous chantez mal là. Peu importe. C'est moi qui chante mal, bon bah ouais. Pour le plaisir. Chantez faux, mais chantez fort. Prendre la vie du bon côté. Et pour le plaisir. Allez tous ensemble, ouais. Bah, ça me fait un peu penser au mec qui chantait quand t'es dans le désert. Ah non, pas lui. C'est un mec qui s'appelait Truc Forestier, non? Maxime le Forestier. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, Herbert Léonard. Oui, c'est Herbert Léonard. Avec Julie Pietri. Exactement. Oui, avec Julie Pietri. Qu'est-ce qu'il avait chanté avec Julie Pietri? Ça vous dit rien? Fou là. Et voilà, tu perds. Ça oui. Très très bien. À en mourir. À ne plus manger, ne plus. Eh ben ils connaissent aussi. Amoureux comme nous, amoureux fou. Il y avait une série, un feuilleton. Château Valant. Puissance et gloire. Puissance et gloire. Voilà, c'est ça. Dans le trou de ta regard. Je crois que c'est lui qui chante mal. Autour de Château Valant. Après, je ne sais plus qui c'était. On a mis un peu de mal, on est jeunes, on est fous. On est bourrés. Et vive la France. On est bourrés et vive la France. Voilà pour cette première partie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces retours quand même? Marc Lavoine est venu plusieurs fois, Jacques Brel. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est vrai que sur cette photo-là, quand on voit Marc Lavoine plus jeune, on pourrait éventuellement nous confondre. Ouais. Mais il y a quelqu'un, il y a une fan qui un jour m'a écrit quelque chose de très joli en disant de pour le plaisir que c'était un morceau d'ADN de la chanson française. Et j'ai fait imprimer ça, puis je l'ai mis ça sur ma porte, parce que c'est vraiment une formule extraordinaire, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens, comme vous avez pu le remarquer, on ne les a pas tous mis, mais quelquefois les réactions ont été, s'ils ne reconnaissent pas votre nom et votre prénom, ils vont dire « Ah mais c'est pour le plaisir !» Il n'y a pas que ça qui est étonnant, c'est que les jeunes hésitent beaucoup, pour en définitive finir par trouver. Par contre, les gens qui sont un peu plus âgés, bah, ils trouvent tout de suite, quoi. Ça fait partie de leur génération, quoi. C'est une chanson de leur génération. Et c'est une chanson qui a eu un succès tellement énorme que ça ne m'étonne pas que ça soit dans la tête de tout le monde. C'est multigénérationnel. Non seulement les mélodies, mais aussi les paroles, parce qu'il faut les retenir, les paroles, quand même. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous prenne pour un autre dans la rue, dans un aéroport? J'en ai une énorme, là. Un jour, j'étais dans une FNAC, je cite le nom parce que je ne peux pas faire autrement, et je faisais la queue, j'avais acheté un tas de disques, je faisais la queue, et il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes devant moi, et quand je suis arrivé à la caissière, elle m'a regardé, elle m'a dit « Oh, je vous connais, vous êtes Jean-Jacques Goldman !» Et alors là, toute la file s'est mise, s'est pliée de rire. Et la jeune, elle ne savait pas où elle était, ni ce qui lui arrivait, quoi. Non mais me confondre avec Jean-Jacques Goldman, faut vraiment le faire, quoi. Écoutez, merci beaucoup, cher Herbert, voilà, l'émission Micro-Miroir touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, c'est très drôle, refaites-la le souvent. On en refera plein, on l'espère bien. En tout cas, il est l'heure maintenant de se pencher sur la fameuse question. Qui sera le prochain artiste à affronter la tablette fatale de Micro-Miroir? Moi, je veux bien revenir dans 10 ans, si je suis encore vivant. Oui, bien sûr. Je vous souhaite 50 nouvelles années de carrière, mon cher Herbert. Et à nous, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.